la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier. Thème: comment être délivré des liens de la sorcellerie? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie? Envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. À Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32 76 38 90 47 07 23 28 07 92 99 11. Que Dieu te bénisse. La dernière fois, j'ai parlé d'un truc très important. That's what I talked about on the important thing. Amen. Amen. Comment être connecté à Dieu? How to be connected with God. Quel était le thème la dernière fois? L'immaturité. J'ai parlé de l'immaturité spirituelle. Et qu'est-ce qu'on a dit de l'immaturité spirituelle? What did you say about spirituality? C'est une révision. Spiritual unrightness. On peut parler. Vous êtes les élèves. Ouais. Attention. Les bébés. Voilà. Parce que quand quelqu'un n'est pas mis dans la vie, quand vous parlez à cette personne, vous voyez son raisonnement est terre à terre. Voilà. Donc c'est ça. De toute façon, il y a l'immaturité physique, il y a aussi l'immaturité spirituelle. Quand quelqu'un n'est pas immature, spirituellement parlant, vous voyez son langage, c'est la peur. He's in fear. La personne se plaint toujours. The person complains, always complaining. Oui. Yeah. L'immaturité, la personne se plaint toujours. The person complains. C'est qu'elle est toujours attaquée. Always. Les choses, les sorciers, machin. The sorcerers are attacking me. C'est vrai. It's true. On ne peut pas bannir l'attaque de la spiritualité. C'est pas possible. From why? Celui qui veut vivre la vérité sans attaque, je suis désolé. Without attack, I'm sorry. Il faut aller vivre au ciel. We'll live in heaven. Tant que tu seras sur sa terre, tu seras victime d'attaque. Victims of attacks. Tant que quelqu'un qui m'a dit spirituellement parlant, la personne est un bébé, ça veut dire spiritual kid. Nicodème, quelqu'un docteur de la loi, was adopter, mais il y avait les choses qu'il ne connaissait pas dans la parole. C'est ça que Jésus dit. That's why Jesus said, que tu naisses de nouveau. You must be born again. Il y a des gens qui sont à l'église, quel que soit leur ancienneté, mais ils sont comme bébés. They are kids. Un bébé, c'est lui qui ne peut pas se prendre en charge. He's the one who cannot take him in charge. C'est ça l'immaturité. This is unrightness. Or dans l'église, that in the church, on a ces personnes qui ne peuvent pas se prendre en charge. Ils ont toujours besoin que quelqu'un propose. Ils ont toujours besoin que quelqu'un vienne s'occuper de eux. C'est ça l'immaturité. C'est vrai. On peut avoir une dimension d'attaque. Donc on a besoin d'une autre personne pour nous aider. To help us. Ça c'est fort. This is. Souvent on attaque, on demande aux gens de prier pour nous. Je ne parle pas de l'attaque. Souvent on a des maladies. On a besoin des gens de prier pour nous. Non. Je ne parle pas de quelqu'un qui est immature du point que. I'm talking about someone who is. Quand il y a une situation. Where is that the situation? C'est quoi ça prie? He doesn't know what to do. Amen. Amen. Oh, quand quelqu'un est mature, spirituellement parlant, quelles que soient les attaques. No matter what the text, the person is always focusing on the word. Quand le diable vient attaquer Jésus, when the devil was coming to attack Jesus, il est venu. The devil came. Il a commencé à utiliser la parole. He started using the word. Il dit, il est écrit. It is said. Jette-toi, car il ordonnera ses anges de te porter. Jésus dit, il est écrit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Vous savez. Quand vous êtes mature, when you are mature, when you are peur, the devil is afraid to approach you. Parce que vous êtes des gens mûrs. Because you want. Vous savez que c'est normal. Mais en même temps, ça vient. Et que Dieu vous repositionne quelque part. So that God can give you a new position. Une attaque vient. An attack. Pour te former. It's une attaque vient. To train you. Pour te faire grandir. So that you can. Tu n'apportes pas une peur. Vous êtes des débiles. Non. A situation. Il apporte ça. Donc tu peux grandir. Comme un examen. It's like an exam. Or quand quelqu'un dit mature, when someone is quand on attaque,
La personne m'aimait, elle est toujours là. Moi-même, moi-même. Oh, la Bible dit, ils feront la guerre. Oh, quelqu'un m'a dit le mais là, il était pas ça. Ils te feront la guerre, ils te feront la guerre. Mais quand je suis avec toi, je suis là. Quand quelqu'un m'a dit, elle a peur. Jésus dit, je suis là. Même dans la classe, je suis là. Pendant qu'on parle, je suis là. Pour te délivrer. C'est là. Mais je ferai tout là pour te délivrer. Jesus is ready. Oh, j'ai dit, pour partir de l'étape de l'immaturité à maturité, ripeness to wisdom, to ripeness, il faut aller s'abreuver dans la parole. It is to be, take your source. C'est tout. Pour attendre là, c'est l'étape de la maturité de la parole. It is God's words. Combien sont ceux qui lisent la Bible? How many people are reading the Bible here? Y a pas. Nobody. Amen. Il y en a combien? How many? Je lui donne toujours la Bible. Can even give him the Bible? Il sait même pas où c'est trouvé. He doesn't even know where to find the verse. Isaïe est perdu dans la Bible. Isaïe in the Bible is checking. Jésus même en balade. Jesus wandering in the Bible. Quand il dit la Bible, when he said the Bible, he's taking that way. He's taking this way. Faut prendre lui. Il a dit que c'est quelle page? C'est dans quelle page? Il voit la Bible comme un roman. Is seeing the Bible like a novel. Oh! La parole de Dieu, but God's words, exhaust de vie, nous sont comme une plante, un arbre. Like, et je vous ai dit, l'arbre, on reconnaît l'arbre par ses fruits. The tree through its fruits. Le fruit que tu as, the fruit that you have, mûrit pas. Doesn't this c'est immature. Et quand c'est immature, it is quand le vent vient s'entendre, it is unripe. We have wine. Parce que il n'y a pas assez d'eau pour alimenter de la water to feed the tree. Or l'eau, water, c'est la parole de Dieu. Is God's word dans la Bible. In the Bible. Si vous voulez, if you want, atteindre cette maturité, reach this, je vous en supplie, attachez-vous à la parole. To be tied to God's word. Je suis venu me faire délivrer. I came to be delivered. Et puis conserver ma délivrance. And then conserve my. Ah oui, c'est ça qui est plus important. Comment la conserver? How? Après avoir quitté le centre, comment conserver cette délivrance? Sans s'appuyer sur la parole. Be focused on God. Si vous appuyez sur la parole, focus on God's word. People will be afraid of you. Vous ne dites rien à Satan. You won't say anything to vous ne dites rien à la sorcellerie. You won't say anything to them. Mais le diable vient te tenter. Ça dit quoi? Quand il tente, ça dit qu'il vient faire un essai. Just don't try. Est-ce qu'il est solide? It's solid. Vous savez, est-ce que vous savez comment on construit? Do you know how to build? Comment faire une voiture? How to make a car? Ah, je vous explique un peu. Let me explain. Moi, j'aime bien National Geographic. I really like National Geographic. C'est les jeunes conseils qui regardent. This kind of Mariama a trompé son mari pour pleurer. Je ne suis pas dans vos films coloris. C'est comment on fabrique les voitures, comment on creuse l'or, comment les animaux vivent dans la brousse. C'est ça qui m'intéresse là-bas. Quand on finit de faire une voiture, after, on laisse plus de choses s'attendre. Vous savez là? We let it down. Ah voilà, je vous apprends ça. On laisse tomber boum. Let him down. On laisse son temps. Boom. Just to test. Pendant 4 mois. Pour voir si les boulons sont solides. Voir si les boulons sont solides. Quand rien ne bouge. When nothing quand moves. Rien ne bouge, on dit bon. On peut mettre ça sur le marché. Okay. Amen. Amen. Alléluia. Donc le diable. The devil, il vient t'essayer. Just come to test. Il vient te tester. Viens bien. C'est test. It's just coming to test you. Oh, le test que tu fais, tu tombes ce test. If you fall down after parce que tu n'es pas alimenté. It's just because you don't. Il y a des gens quand tu les vois parler, après ils donnent, ils parlent, ils viennent verser biblique dans le parole. They don't speak without the verse in the words. Jésus lui-même était tenté. Jesus, even quand le diable est venu, dit, when the devil came, he said, c'est simple. It's simple. Toi-même, yourself, tu as faim, non? What do you mean? Oh, cela s'appelle devenir pain. This can become. C'est pas ça? Bread. Il dit qu'il est écrit. It is l'homme ne mange ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez? For God's word. Si Satan n'a pas eu peur de Dieu, Jésus. Not afraid of Jesus. Toi, what about you? Non, moi, je t'écris.
Dieu a attaqué. Le diable aime que tu dis ça. The devil like it. Il aime se donner une importance que tu le considères. So that you can consider. Au moins pour le narguer. But when you fail at him, car Dieu dit, je suis avec toi. Amen. Je suis avec toi. Quelque soit la tâche, mon Dieu, je suis avec toi. Pour te délivrer. To deliver you. Au moins il ne crée rien. Don't be afraid of powerful. Did you strong words of God for you? Le problème. The problem. Tu n'arrives pas à lire la parole. You don't know how to read the Bible. Donc tu es dans l'état. So you are in the state. D'immaturité spirituelle. Of spiritual unrighteousness. Ça vient après. When you have this situation. Oh, quand quelqu'un appuie sur la parole de Dieu. Someone is focused on God. Rien ne peut les branler. Nothing. Can happen to him. Amen. Amen. C'est ça que la Bible nous dit. That's what the Bible says. Quelqu'un dit ça dans le sol. Le chapitre 1, nous avons dit, il est comme un arbre planté près de courant d'eau. The torrent of water, valley of water. On peut passer tout un temps devant la télé. Moi, je n'ai pas peur d'attaque. Il n'y a pas d'attaque. À 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Très bien, tu t'arrêtes là, mais tu as poussé. The vice of the wicked, or take the path that sinners tread, of sits in the seat of scoffers, but the delight is in the law of the Lord, and on his law they meditate day and night. Vous comprenez? Il dit heureux. Vous serez heureux. Quand, parce que les gens ont leur plaisir, people's pleasure, c'est aller dans la. C'est-à-dire, les gens ils sont toujours accompagnés des païens. Il y a des gens, leurs camarades, c'est toujours les gens qui ne connaissent pas Dieu. Their friends are people who do not know God. Jamais dans les conseils des conseillers spirituels. Advisors. Ils n'ont jamais eu des conseils spirituels. Ils ont une affaire, c'est le monde qui doit régler. They have the trouble. Ils ont une situation, c'est les païens. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais ils vont régler aussi. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas. Happy are those who do not selon le conseil des méchants. Dieu considère les païens comme des méchants. Like selon le conseil des méchants. Vous avez une situation, c'est le monde qui doit régler ça. Vous avez une situation, c'est les païens qui doivent intervenir dans votre histoire. Et ils vous donneront la pensée du diable. They'll give you the fault of the devil. C'est ça la Bible, celui qui est l'homme heureux, c'est celui qui ne marche pas en fonction des conseils des méchants. The advice of the wicked. Il dit ici, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. And take the path that et qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est cela que, à un moment donné, sometimes, vous devez comprendre que need to understand that pour passer à l'état de l'évanouissé, la maternité, unrightness to rightness, il faut t'approcher de quelqu'un qui est someone who is right. Tu as bien saisi? Did you catch me? Toi, tu as 15 ans. You have 15 years. Tu ne vas jouer avec un enfant de 15 ans. With someone who is 15 years old. Aren't you being like him? Oui, compris. Quand tu as un enfant de 2 ans, si tu ne fais pas le même jeu que lui, il va te voir en garde. C'est pas ça? Oui, bien. Quand tu as un bébé, tu fais comme un bébé. You behave like a baby. Quand tu es un enfant, when, tu oublies d'agir comme l'enfant. You like to act like a son. Pour qu'il puisse comprendre. So that you can understand. Là, vous avez le même esprit. Because quand tu as voulu jouer comme les grands, la bande dit non. You like, non, play like elders. Donc, quand vous voulez atteindre l'âge, if you want to reach la maturité, marcher avec les gens qui sont mûrs dans right le Seigneur. In the Lord. Marcher avec les gens qui sont mûrs. Vous savez la Bible qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Qui ne peut pas vous aider. Those who cannot help you. C'est ça votre problème. That's your trouble. Vous avez une situation. You have a situation. Vous paniquez devant la situation. Always collapse. Parce que vous voulez que le monde vous donne des conseils. Because you need the word. Que le monde vous apporte quelque chose. To pray. Or la Bible est une source de bénédiction.
Même si nous ne sommes pas libres, nous voyons les hommes de Dieu, nous sommes donnés des conseils divins sur lesquels nous devons nous appuyer et la pensée de Dieu face à ce que nous vivons. Pourquoi on dit amen. On dit mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Toi, tu trouves ton plaisir où? Where do you find your pleasure? Ton plaisir là, tu trouves ça où? Where do you find your pleasure? Amen. Tu trouves son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est intéressant. Il dit qu'il a béni jour et nuit la loi de l'Éternel. Son plaisir là, il dit ça dans la loi de l'Éternel. Les jeunes, les gens, leur plaisir c'est la télé des jours. Leur plaisir, c'est aller boire du vin. Their delight is to go and drink, aller boire du vin, drink beer. Sortir, aller chercher des copies. Go and check. Chercher les femmes des gens. C'est là où ils trouvent leur plaisir. This is their delight. On dit mais le verset 2, qu'ils trouvent son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire cette personne-là, elle cherche à savoir qu'est-ce que Dieu veut, quels sont les commandements de Dieu. The Lord wants. Parce que si on marche selon Dieu, if you walk according to the Lord, you'll be blessed. Nous ne sommes plus du monde. We no more from the world. Bien que nous soyons dans le monde, even if we are in the world, nous sommes plus du monde. We no more from the world. Pourquoi un terrain déjà acquis par Jésus-Christ, nous redonnons ce terrain-là à Satan? How can you give that land to the devil? Dieu gagne du terrain dans votre vie. God, the devil, il vous a racheté par son sang. The Lord is having land. Il fait de vous les enfants du royaume. Et vous donnez l'héritage à Satan. You give the inherited to the devil. Quand on devient chrétien, when we become Christian, on ne vit plus selon Dieu. No more living on for on vit plus selon Dieu. That according to the Lord, c'est Christ qui vit. Mais c'est Christ qui vit. Est-ce que réellement il vit en toi? Is God living in you? Est-ce que réellement il vit en toi? Is it really living in you? Est-ce que vraiment la parole de Dieu? Is the real God's word living in you? L'apôtre Paul dit dans Corinthiens, de marcher selon l'esprit. According nous ne sommes plus de la chair. We no more from nous sommes flesh. Des hommes d'esprit. We are men of spirit. Les choses d'esprit doivent nous intéresser. We must be addressed. Les choses spirituelles doivent nous intéresser. Things. La parole de Dieu doit nous intéresser. La prière doit nous intéresser. Il y en a combien qui prient? How many people pray here? Il y en a combien? How many? Ah non, la nuit là, ils sont venus. Mais ils vont venir parce que tu as mangé avec eux. Mange! Et la chose graine. Tu prends notre ça. Tiens, viens. You meet. Tu ne fais pas les choses you do the things that you have to. Quelqu'un qui a traité sa relation avec Dieu, keeping le monde a peur de cette personne. The devil is afraid for that. Si tu ne reviens pas à Dieu, don't come back to God, jamais tu vas prospérer. Never you go ahead. Jamais. Never. Jamais. Never. Parce que la Bible dit, because the Bible la bénédiction de Dieu est sur le monde, rien ne peut suivre d'aucun chagrin. And then you si tu ne mets pas la première place, if you don't give tout après nos intérêts personnels, running after a personal interest, par moment on s'en fout. And then we'll fail. Quand il s'agit de l'église, on s'en fout. When it's about church, les choses ne nous intéressent pas. We're no more interested. Mais ta vie va pas intéresser le Seigneur. Your law, your life can be law. Yes. Jamais ça va intéresser le Seigneur. Never. Si tu ne mets pas la première place dans ta vie, que tu ne le sais pas. The first part of the world is for service. If you serve by God, it's God's service. The show when you serve by God, it's ton argent. You serve God. You serve ta maison. You serve God. You serve God. Dans ton service, on serve the Saint. You come serve. You like the servant of God. And the show you don't pass through the table. The show came out from your mouth. You don't have to comport yourself like a pagan. Behave like a pagan. Fire not any longer. I don't have the language. What on the service? You serve. Service must be a monk. This is what we call a priest. Amen. Et ne s'assois pas en compagnie. We don't see the you know, atteignons like l'étape de la maturité. Covers. Si vous ne mettez pas Dieu la première place, on ne se souvient de Dieu quand on parle de l'église. Donc, c'est qu'est-ce qu'on attaque que j'ai dit. Si tu vois les juifs, tu vas te détruire. C'est que la nuit de sorcier la visite. Praying the Lord. Si tu veux l'église, vous dites monsieur, rendez-vous en décembre. We have a meeting point in December. Il voit un peu en rêve. Il voit un chien. C'est là qu'il cherche maintenant à prier. Ou bien quand il va aller au village. Voir le village. C'est là qu'il est. Il va au village. Les sorciers sont là-bas. Dieu, Seigneur, tout est péché. Il y
No. Le jour the day où tu as donné ta vie à Jésus, you gave your life to Jesus, tu dois immédiatement le servir. You must serve him. C'est un impératif. It's tu dois lui donner toute ta vie. Compulsory. Tu dois le servir. Your whole life. Serving. Tu dois t'appuyer. Must be tu dois t'appuyer sur quoi? What did you focus on? Tu t'appuies sur quoi? What did you focus on? Le verset 2, il dit, the second verse. Mais, but, il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, et qu'il a bénit. Est-ce que toi, chaque jour, tu as les pensées de Dieu? Est-ce que chaque jour, les pensées que tu as, the thought that you comment have, faire plaisir à Dieu? To make pleasure to the Lord, plus tu feras plaisir au Seigneur, the Lord, plus Dieu s'occupera de tes affaires. God will take care of your business. Il dit, je suis l'alpha, the beginning, et très bien. And the end. Tu me mets devant. If you give me in the right, the first place. On si tu as commencé, tu vas terminer. It'll be compulsory. C'est le problème. On a l'impression que Dieu est absent. Have the impression. Mais normalement, Dieu doit être absent parce que nous ne donnons pas l'occasion à Dieu d'être dans notre vie. Est-ce que vous savez que Dieu respecte notre volonté? Quelqu'un. Someone. Qui est imprégné de la parole. Is imprégné. Et qui cherche à faire la volonté de Dieu. Dieu le bénit. God will bless you. Il fait de lui une source de bénédiction. A source of blessing. Quand on regarde vos compagnies, when on lays c'est un païen. On the pagans. Quand on regarde votre manière, vos fréquentations, the way, the people, c'est les mondains. Quand on regarde votre manière de faire les choses, when the, see, c'est le monde qui prend le dessus. Dieu au second plan. And the Lord. And the mais beaucoup de choses vont vous arriver. Too many things. Si vous partez jouer sur le territoire du diable, que vous sautez la clôture, Dieu vous met dans un enclos. God will put you in a place. Tu es un brebis. Vous sautez le lion et la faim là-bas. Hein? But the lion is very angry. Il va te manger. Il faut qu'on s'accroche à la parole. We need to be tied to God's words. Tant que tu ne t'accrocheras pas à la parole de Dieu, words, il sera difficile. It will be very difficult. Regardez ce qu'il a dit le verset 3. On the Bible, qu'on appelle Somme le chapitre 1, il dit, le verset 3 dit, celui qui prend son plaisir, on dit, il est comme un aplomb. They are like trees planted by springs of rain. Il est comme un aplomb. Parce que la parole de Dieu, c'est comme de l'eau qui est toujours alimentée là où we need it. What we need. Ce qui est intéressant. What's interesting? On dit, il donne son fruit à sa saison. Their fruit in its season. Alléluia. Jésus a maudit le figuier. Jesus cursed. Parce qu'il n'avait pas trouvé de figue. Because it didn't find. Tu ne produis pas de figue. It won't produce the fruit. Mais tu peux pas te tuer à Dieu. But you cannot, but you just parce que Dieu ne voit pas de fruit. En because God doesn't see. Il a regardé le figuier, il a maudit le figuier. So Jesus. Dieu aimerait que tu produises des fruits. God would like you to produce. Quel est le fruit que tu produis? C'est la peur. Fruit. Do you produce? Quel est le fruit que tu produis? C'est la mondialité. On quel est le fruit que tu produis? On ne voit pas la chrétienté dans ta manière de faire. On ne sent pas Dieu dans tes décisions, dans la manière de voir les choses. On ne voit pas Dieu. We don't see God. Il sera difficile à Dieu. It will be very difficult for God de continuer de te bénir. To keep on blessing you. Il dit donc son fruit, sa saison. Il n'y a pas de fruit. No fruit. On ne voit rien. We don't see anything. Qu'on trouve, c'est on ne sait rien. It's nothing. Comment Dieu peut être dans ta vie? How can God be in your life? C'est quelque chose d'arrive, c'est pas normal. Some other things. Ça veut dire, revois ta position. That is. Revois-la. Revise your position. On peut traverser. David dit, quelque chose qui arrive. Mais toi, tu es toujours dedans. Always. David dit, quand je traverse, quand tu traverses pas. The Bible says, when I cross. Ça veut dire, quand je dedans. You're in. Il dit, quand je traverse, l'ombre de la vallée de la mort. Dans leur death. Le malheur atteindra parfois le juste, mais l'éternel en délivre tous les jours. Ça va venir, et Dieu va te délivrer tous les jours. Et donc, pourquoi tu ne traverses pas ça? Why don't you parce que because tu n'es pas appuyé sur la parole. Tu n'es pas imprégné dans les choses de Jésus. Things of Jesus. C'est ça ton problème. That is your trouble. Il faudrait you must te repentir. Be converted. Il faut aller pleurer devant Dieu. Go and cry. Frère, Dieu ne bénit quelqu'un en qui tout son intérêt. Only bless the one
can find these things. Seigneur, bénis-moi. Pourquoi? D'aller boire bien, c'est ça? Lord, bless me to go and drink beer. Is it? Amen. Amen. Je connaissais quelqu'un. I know someone. Dans la région vers le Soubré. Soubré area. On évangélisait dans cette région. We're worshiping in that area. Il est chrétien, zélé. Christian, very Christian. Bien. Very good Christian. Le jour on dit cacao a produit, c'est la traîne. Du coup on doit vendre les cacao. We have to sell the cocoa. Il disparaît de l'église. Disappears from the church. De là, il disparaît. And then he disappears. Quand il n'a plus l'argent. When he has no more money. Dès janvier. In January. Il vient plus un peu à l'église. He just come to church. En février. On February, je le vois chanter, je le vois te les prier, le diable, laisse-moi le diable, laisse-moi, Satan, laisse mon aïeul. C'est Satan qui a pris ton aïeul. L'aïeul a dit, prends pour aller chercher les femmes. Tu bois bien, tu bois du vin, tu manges du diable, un placard. Tu as créé. Un jour, je l'ai appelé. I called him one day. Voilà. C'était l'un des responsables dans une église, je l'ai appelé. He was one of the... Je lui ai dit, and I told him, faut décider, decide, qui tu dois servir. You have parce que j'ai un rapport sur toi. Because I have a report. On a l'impression que, we have the impression des moments où Dieu a besoin de toi, tu le fuis. You play, mais un homme comme ça, Dieu ne va jamais lui donner l'argent. God will never give him. Parce qu'il a te donné l'argent, il te fait du mal. It's too bad. Mais c'est la vérité. It's hurting you. Si pour qu'il te donne l'argent, pour que tu sois païen, je vous assure, le monsieur là. Son cacao n'a plus rien donné jusqu'à ce qu'il his cocoa did not produce anymore. Il est mort. And he died after. Parce que Dieu voyait que le monsieur ne peut pas changer. Because God was noticing that. Tu as l'argent, tu fuis. When you have money, you flee God. Amen. Amen. La Bible dit que rien ne nous sépare nothing de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. La Bible dit que rien ne peut nous séparer de l'amour ni ta femme, ni tes enfants. Ni la persécution, rien ne doit venir. Oh, quelqu'un est mature, rien ne peut le prendre. Toi, tu es toujours en attaque, et puis je dois toujours qui tombe. Always down. Tu n'es pas solide. You're not solid. You're not strong enough. Amen. Amen. Dieu veut changer ta condition de vie, ta confraction de ses mains. Pourquoi ne le fais pas? Parce que tu n'es pas mûr. Because you're not right. Il y a des choses fixes. Il y a une maturité, une certaine maturité que tu attends pour te donner une bénédiction. Dieu connaît chacun d'entre nous. Mais les états, tu n'as pas compris les états. Donc il ne peut pas te donner. Il ne peut pas te donner. Il ne cannot give me right now. Non, parce qu'il ne peut pas t'aider. Because he cannot help you right now. Amen. Soyons des hommes mûrs. The right people. Alléluia. Amen. Pour donner les fruits à nos saisons. To give fruit to our seasons. Amen. Amen. Il faut que tu produises des fruits. You need to produce fruits. Dans la vie de l'homme, l'important c'est les saisons. The important, les étapes. Is the season. À cette étape, we have some steps. Il y a une bénédiction. And il y a un certain âge. La femme doit se marier. At a certain age. Parce que tu n'es pas marié. Time, il y a la femme qui se marie. Ou bien. Les hommes là, on peut se débrouiller. At a certain time, the woman gave birth to a baby. Mais la femme, à 45 ans, c'est fini. When she has, for example, 45 years, il faut un miracle. And have a miracle. Amen. Si tu veux jouer ta chrétienté, if you want to joke, put your Christianity. Oudragou, Jean-Pierre vient. Et tu joues ta chrétienté, mais tu vas pas atteindre la bénédiction. Il y a des saisons, il y a des étapes. Et un certain niveau de ta vie, Dieu doit te bénir. Tu dois avoir du travail. Un moment donné de ta vie, tu dois avoir l'argent, acheter ta maison. Un moment donné de ta vie, tu dois gagner cette étape. Frère, brother, c'est important. Il faut que tu donnes des fruits à chaque saison. On te voit en train de te bénir, c'est ça. Il n'y a pas de statue. Mais si jamais, but si seulement j'ai appuyé sur la parole de Dieu, word, rien ne pourra empêcher ça. Rien. This blessing. On dit donne, hein, n'est-ce pas, il donne fruit à sa saison. Et donne les feuillages de ses fruits point. On dit il reçut tout ce qu'il fait, lui reçut. Amen.
Alléluia. Et tout ce qu'il lui fait, lui réussit. All that they do, they tout ce qu'il lui fait, lui réussit. Quand tu fais quelque chose, c'est un échec. Pourquoi? Do we have failure whenever you? Alléluia, tu n'es pas appuyé sur la parole. Do not focus on God's word. Alléluia, tout ce qu'il lui fait, lui réussit. All that they do. Parce qu'il s'appuie sur la parole. Il s'appuie sur les choses de Dieu. On God's face. Si vous voulez, if you want, changer de position. Change your position. Vous allez voir. You see. Si vous changez de position, if you change your position, Dieu change de position. God will also change your position. Amen. Si vous décidez maintenant, if chaque jour, right now, vous dire, to say, il faut que je donne. I must. Dans mon planning. Have in my plan, je dois mettre la parole de Dieu. God's word. Lis la parole de Dieu. Read dans mon planning. God's word. In my plan, je dois beaucoup prier. I must pray. Dans mon planning. Too much. Je dois m'éloigner de Dieu. I must chaque fois, mon argent doit aller dans le but. Dans mon planning, je dois évangéliser. I must parler de Jésus. Les envoyer à l'église. Chaque jour. Ou bien chaque jour. Je dois parler de Jésus. Il y a des gens qui sont chrétiens. Tellement ils sont possédés. Many people are really possessed. They are more possessed. Why they don't come to the church? Quand ils always a nonsense. Faut changer de position. In the church, your position. Tu vas voir, Dieu serait dans l'intérêt de God will be in the interest of. Il dit, si quelqu'un obéit ma parole, if someone coaches on my word, ses ennemis, his enemies, seront mes ennemis. Will be my enemies. Pourquoi ça, tes ennemis ne sont pas les ennemis? Why are your enemies aren't your enemies. The enemies of God, because they didn't change the position. God has delivered you. That you don't want to work with him. No, you're not interested in that. Things God thinks does not interest. If you're not interested in God, God cannot invest in you. They always invest in the world. He has an interest. I was with the money that you give. Parce que c'est que l'argent, tu envoies ça dans ton œuvre. L'argent n'a pas donné du ciel. If you bring your money to God, tu vas bien saisir. Amen. Pour ça, moi, je n'ai pas besoin d'attendre l'église. I don't need time to wait to church. Ce n'est pas l'église qui m'a fait cotiser ça. I didn't collect the money. Ce n'est pas l'église qui m'a fait en Europe pour faire les croisades. Je peux m'acheter de même. Dès que j'ai de l'argent, que Dieu me bénisse, j'ai peur d'avoir des choses. It is to pay d'abord, God's things first. Ce qui m'intéresse d'abord. Parce que Dieu me bénit par rapport à son œuvre. Because God is blessing me. Tu as l'argent qui pense à l'œuvre de Dieu. You have money. Et tu don't de think Dieu. About God. Et vous voulez que Dieu se soucie. And you want God to remember. Alors, comment vous êtes? C'est-à-dire, Dieu n'a pas de soucier de nous. Do you want God to remember us? Est-ce qu'on pense un peu? Est-ce que la facture de courage qui a été payée? Do you think about the electricity? Est-ce que la maison de l'église a été payée? The renting, est-ce que les hommes de Dieu sont soutenus? C'est-à-dire que ce n'est pas nos soucis. The men of God, les choses de Dieu, ce n'est pas nos soucis. Are not our troubles. Mais Dieu aussi, God, il ne met pas de toi une priorité. Cannot give you his amen. Amen. Il faut que nous passions de l'état de l'immaturité à la maturité. On rightness to le maturity. Monde qui l'on dit. Amen. Amen. Père, brother, quand Dieu t'appelle, c'est pour le servir. Is to serve him. Si tu ne sais pas Dieu, if you don't serve God, il te tournera tout. He'll turn you around. Lui te délivre pourquoi? You'll no more come back. Ah, Seigneur, délivre-moi. Maintenant, te délivre pourquoi? What do you want God to deliver? Il te délivre pour le servir. Deliver. C'est pas parce que tu es un prophète. Non. Not because you will become. Tu peux le servir avec ton argent. You're serving with your money. Tu peux le servir par le Seigneur. By talking to him. Pas besoin d'être prophète. To God. Mais le but de parler de Jésus aux gens. By talking. C'est servir Dieu. Because of God. Le fait d'envoyer chaque fois son argent. Pour payer une facture bio pour servir Dieu. Electricity bill. Quand il y a une occasion, même dans l'avion, quand il y a une occasion, je parle de Jésus. Sometimes in the plane, I used to talk about God. Mais je parle de Jésus. I used to talk about God. Il y a un qui parle de Jésus. How many people are talking about God today? Tu as demandé aux gens, tu as une papa de Jésus, mais il va t'arriver sa tête. Dis à quelqu'un, sœur, mon frère, c'est your neighbor. Il y a une vérité qui est unique au monde. Le chemin du ciel, the way of the heaven. Tu l'as pas. Et il va en enfer. Comment il a compris? Cette parole a travaillé tout le travail dans sa tête. Ça va le conduire au salut. Il y en a combien qui font ça? Combien de people? Il y en a combien? Il y a un sorcier en maillot, ma crise. Il faut que les gens me délivrent. Sorcier me bougie dans ma chambre. Dans ma chambre. Toujours c'est toi qui as le problème. Always in trouble. Et les choses de Dieu ne t'intéressent pas. So you know it interests upon the things of God. Si je vous compte un peu mes soucis, comment faire pour payer les gens?
Comment faire pour payer leur salaire? Comment faire pour faire ça? Je ne fais pas de saints soucis. Pourquoi? Il dit de vous inquiéter de rien. This is not a trouble for me. Il dit, ce sont les païens qui cherchent tout ça. Ce sont les païens. Ceux qui sont païens là, qui s'inquiètent de comment payer ma maison. They're worrying. Je suis arrivé stade. Quand quelqu'un est nu dans le Seigneur, il bannit l'inquiétude. Is il sait qu'il est là. Because I know that the Lord is present. Il dit quand je suis avec toi. When I'm with you. C'est ça qu'il est banni. That's why I banish. L'inquiétude ça n'existe pas. Where is it? C'est vrai, ça est là. No more. Mais j'ai les yeux spirituels. Je me dis Dieu va le faire. Because I know that God will do. Mais si tu cherches tout, tu vas migrer, tu vas avoir baissé, tu vas tomber. Ça a donné raison sur chip. You can give it right to sorcerers. Amen. Tu as fait ce que tu as fait. Do what you have to. Lui, il s'en charge. Il prend le taking charge. Encore c'est lui qui les choses en charge. Takes in charge. Est-ce que tu sais Dieu? Do you serve God? Vous voulez que Dieu vous délivre? You want God to serve. Vous voulez que Dieu vous serve. Mais est-ce que vous êtes prêt? Are you ready to serve Him? Est-ce que vous êtes prêt? Are you ready à faire sa volonté? To do His wish. La question. That is the question. Aujourd'hui, ce matin. Today. Si nous voulons voir Dieu nous bénir, nous devons le servir. Ce n'est que venir à l'église nettoyer. Ce n'est que venir à l'église acheter une chaise. Ou bien donner une couleuvre de Dieu. Ce n'est pas prêcher. Mais c'est une croisade. Donner une couleuvre de Dieu. Vous allez voir, vous invitez Dieu dans vos affaires. Vous invitez Dieu dans votre business. In your business. Il faut que Dieu soit toujours de votre pensée. In your thoughts. Il dit, tu aimeras ton Dieu de toutes tes pensées. De toutes tes forces, de tout ton cœur. Est-ce que la pensée que tu as, c'est les pensées de Dieu? Il faut que tu grandisses. Dis amen. Quand tu fais la volonté de Dieu, tout ce que tu fais, tu réussis. Pourquoi toi, c'est échec? C'est là, sorcier vient chier sur les galettes. Le petit beau flotteur que tu fais là, ça, c'est les mouches qui ont tes clients. Et puis, ils donnent le droit aux sorcerers. To come as destroyed. Parce que Dieu n'est pas dedans. Because you quand tu as commencé ton propre donné, tu as donné pour Dieu. You don't give. So you got a et si dans ton salaire, il y a pour Dieu dedans. We have God part. Tu calcules la maison, tu calcules. Mais Dieu exclut. Non, mais c'est pas beaucoup. When you receive your salary, for example, you have God's part. Dieu aime. God loves. Abraham avait l'unique fils, il dit donne-moi ça. Abraham avait son fils. Amen. C'est quand il n'y a plus rien qu'on voit l'amour qu'on a pour Dieu. L'amour qu'on a pour Dieu, ce n'est pas parce qu'on est beaucoup. Love that we have for God, on lui donne de l'importance. Même quand le salaire n'est pas, on donne sa place. Même dans le salaire, il y a quelque part qui va pour Dieu. Dieu lui dit, ok, ce monsieur-là, il m'aime. This person loves me. Et vous voulez que Dieu se soucie de vous? And you want God to remember you. On n'a même pas des soucis pour l'œuvre de Dieu. We don't even have, we don't even remember. Mais quand tu cries vers Dieu, rien ne va marcher. When you cry to God, parce qu'on a besoin de Dieu par rapport à quelque chose. Lui-même, ces choses ne nous intéressent pas. Mais ta vie va pas intéresser Dieu. And it's nous devons grandir. Dis amen. We need to grow. Nous devons atteindre l'étape de la maturité. We need to reach. Nous ne vivons plus pour nous. Nous vivons pour le Seigneur. We're no more living for us, but for the Lord. Dis à quelqu'un qui vit pour le Seigneur. Say to a member, you're living for the Lord. Qui a parlé de Satan ici? Who is devil's kid here? Quelqu'un dit avant, va le chicoter. Comment toi d'enfant de Satan, t'as venu quelque part? Or, en réalité, il y a des gens qui sont enfants de Satan. Really? Ça vous choque? So people. Parce que quand on est enfant de Dieu, les choses de Dieu vont nous intéresser. J'ai écrit Dieu comment? How are you Christian? How are you son of God? Moi dès que j'ai l'argent. When I have money. Comment faire Dieu, l'œuvre de Dieu? C'est comme ça. Mon premier souci, c'est ça. D'abord dans ma tête. Je ne veux pas de l'argent un problème. Là, c'est ça que l'argent vient chez moi. L'argent n'est pas un problème chez moi. But it's not a trouble for me. Amen. Votre argent, vous gardez ça comme ça. You give your money at quick crops. Vous devez servir Dieu. You need to serve God. Vous devez atteindre une maturité. You need to reach the right place. En fait, tout ce que vous êtes très bon, puisse marcher. Everything that you have to do. Rien ne marche. Parce que Dieu n'est pas là. As for it. Quand Dieu est dans ta vie, because God is missing in your life. Alléluia. Nous allons nous tenir.